Loust, où sommes-nous et que faisons-nous? Nous sommes à Paris parce que demain il y a le marathon. Le marathon de Paris. Oui. Elle est à Saint-Cloud. On avait pris un ticket, il y avait écrit bus TMRER. Pourquoi ça fait pas le train, la T comme train? C'est une question pour Daniel. Cette boulangerie est incroyable, vraiment. Moi, j'ai pris une rose des sables au chocolat au lait. Elle est explosée. Puis, Explosax. Trop bon. Oh, t'es c'est un carnage, cette femme. Oh là là. Ma pasta de nata du portugais. Ah, mais elle a l'air super. Quoi? T'es prêt à récupérer ton dossard? Là, ça rigole plus. Là, on rentre dans le vif du sujet. Après une photo avec quelqu'un que je connais pas. Actuellement, je crois qu'on n'a pas de mutuelle. Si, faut pas que tu te blesses. Maintenant, on va les retirer pour faire du bateau mouche aujourd'hui. Ah, thank you. Ah, mal au bout. Magnifique. Ah, nickel. Ça, c'est le verre dans tout ce monde, sans scrupule. On va où, Louz? Je sais pas. Fini le tour du run experience. Maintenant, faut miam miam. Tour Eiffel pour manger. Loust, le coca. 5 euros. Minimum 5 euros quand il n'est pas à cette vague. 5 balles. Tu hésites avec quoi, Loust? Les pâtes à la bolo. Oui. La salade nordique. C'était merdique. Il n'y a rien qui allait, les gens ils couraient partout, ils n'étaient pas aimables. En plus de ça, on n'avait même pas le bon plat. Et à la fin, ils nous facturent le mauvais plat. Et le mec nous impose de payer 10 centimes en plus. Donc j'étais vénère. C'est pas la question de payer 10 centimes, c'est juste qu'en fait, t'imposes pas au client. Genre, tu dis pas bah c'est bon, hein, payer les 10 centimes en plus. Bref, je suis super énervée. Allez, on y va, c'est là-bas. Oh là, je sens qu'il n'y aura pas de bateau mouche hein, parce qu'il y a beaucoup d'eau quand même dans cette eau. Je pense que le bateau mouche c'est dead, annulado. Il n'y a même plus de bateau mouche. Après ce repas catastrophique, le bateau mouche est annulado. Donc là, solution de repli, petite balade digestive. Ah ben non. Le bus ça avait l'air sympa hein. Ben, ça avait l'air sympa. Tower. Du coup on va au village du printemps. Voilà. On trouve des nouvelles activités juste à côté de la tour Eiffel. On est plutôt bien placé. Messieurs, dames, tout va bien, nous avons trouvé du réconfort dans un super bon smoothie. Regardez un sourire qui revient sur ce visage. Un petit smoothie. Fraise, mangue. Et après je suis ananas. Ananas. On se trop bon. Régale. De là que je vais partir demain, Loust. Ici, les Champs-Élysées, Loust. Sauf bisous offerts par la maison, on sait pas pourquoi. Je pense que c'est du chou. Une multitude de sushis, des petits gyoza, des autres sushis. Et une moustiquette a enfin heureuse de manger ce qu'elle a voulu. Voilà, voilà. C'est le matin. Le matin du marathon. Loust prépare son petit sac pour accompagner tout du long. On va partir direction les Champs-Élysées. Qui c'est qui court tout là-bas? Parce qu'elle a oublié quelque chose. Elle court, la l'étiquette d'amour vers son passe navigo qu'elle a oublié dans la porte. On n'a rien oublié d'autre. Reprenons notre marche.
Lost Analyse. C'est l'heure du nouveau hiver. Lost, on se rapproche, on se rapproche. Le stress monte. Il fait pas chaud, moi je dis. Je vais peut-être courir pour me réchauffer aussi. Voilà, Lost, nous, on fait quoi? On est en détente, dans un super café. Moi, je vais prendre une brunch de luxe. Ah oui, carrément, une brunch de luxe. Avec coupe de champagne, pancakes au sirop d'érable, bacon grillé, pain sauté. Toi, t'as cru qu'on a gagné au loto, toi? Mais Lost, c'est Valas ou quoi? Non, c'est Valas. Un petit chocolat chaud, un petit jus d'orange pressé, mais... Il avait l'air très pressé, ce jus d'orange. Et un petit pain au chocolat. Bien. Ça va être le départ, t'es prêt? Oui, c'est le départ. On va aller dans le sas, et après on va partir. On a tout ce qu'il faut, les petits gels, les petites gommes, et un bisou de Malouste pour le départ. L'objectif, c'est de ne pas perdre Lost, mais il y a tellement de monde que c'est quand même compliqué. Regardez sa pancarte à lui, elle est beaucoup plus stylée que la mienne, je suis deg. Moi j'ai trop honte de la mienne, je dirais une pancarte de CP. Ah, il est là. Je tiens à le dire, je suis presque à la ligne de départ. Voilà la ligne de départ. Maman le monde. Lost. Ça y est, j'ai réussi à le voir. Bon, c'est parti. Maintenant, il faut que je trouve le bon métro pour le rejoindre aux 10 km. Mon objectif, c'est d'aller le voir tous les 10 km, donc 10, 20 pour le ravito, 30 et 40. Et peut-être que je terminerai avec lui en courant, je sais pas, on verra. C'est reparti, c'est vraiment de la merde, les billets là. Je peux pas passer, ça met le carton est déjà validé. Voilà, j'ai racheté des tickets. J'ai un problème, c'est que je suis censée arriver à 12h17 et sur les prévisions de l'application, il arrive également à 12h17. Donc là, je pense qu'il va falloir carrément que je cours pour être sûre de pas le rater. Voilà, allez, on court. En fait, moi aussi, je suis marathon. Je pensais pas que c'était aussi dur de suivre un marathon. Je le vois, je le vois, je le vois. Allez, Lost ! Allez, allez ! Allez, vas-y ! On va bien. Je te suis. Je vais me prendre des gens, j'en peux plus. Non, mais là, ça va. Dixième, vraiment tranquille. On va pas bien. Et c'est trop beau, franchement. C'est trop, trop bien. Allez, Lost, tu cours, toi aussi ? Non mais j'ai couru jusqu'à maintenant, je vais mourir. Bon ça y est, j'ai vu Lost au 10e kilomètre, j'ai couru un petit peu avec lui. Là ça y est, je vais essayer d'aller le rejoindre au 20e kilomètre pour le ravitailler en même temps. Ça va, j'ai 26 minutes de marche. Bon ça y est, je suis entre le 20 et le 21e kilomètre. J'attends Lost. Il devrait bientôt arriver puisqu'il est entre le 18 et le 19. Normalement, il devrait arriver d'ici le même jour. J'ai préparé le ravitaillement. Je vais courir un peu avec lui. J'ai mis le téléphone aussi en charge parce que j'ai plus de batterie. Et après, par contre, ça va être la course pour aller jusqu'au 30 parce que j'ai 50 minutes pour y aller. Et potentiellement, il met une heure. Donc, ça va être un peu galère, je pense. Ça y est, je rejoins Lost. Oui, il y a de l'eau. Ça y est, je l'ai ravitaillé. Oui, il y a de l'eau, mais un peu plus loin encore, je crois. Allez, je te rejoins après au 30. Hein. Voyez ma Lost. Bon, ça y est, là, j'ai vu Lost au kilomètre 20. Je vais prendre le métro pour le rejoindre au 30. C'est exactement là où on était hier. Mine de rien, moi aussi j'en fais des kilomètres. Je vais essayer de pas le rater, il y a tellement de monde, franchement, c'est... Ah, je le vois, le voilà. Allez, Lost! C'est dur là. Oui, bah oui, je me doute, allez. Lâche pas. Là, franchement, t'es bien. T'es super bien, t'as fait le plus dur. Franchement, là, il reste pas grand chose. Allez, vite. Oui, je sais. Allez, allez. Je suis une marathonienne, moi aussi. Ça y est, je laisse repartir. Et là, je vais rejoindre
au kilomètre 40. Je suis entre le 41 et le 41e kilomètre. Franchement, ça se voit que les gens ils sont en souffrance. Là, je pense que ça commence à devenir hard. Allez, Lou, c'est la ligne d'arrivée. Allez, 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 vas-y. C'est le dernier effort. Allez, c'est le dernier mètre. Dernier, dernier. Quand tu bouges ton corps, tu bouges ton esprit. Paris, tu viens de Allez, vas-y. Avec un fixe.